C'est parti pour le stream numéro 2 de Résidence du Mal. Resident Evil. C'est parti. On était morts comme des gros nasos. Il va falloir que je refasse une petite partie de ce que j'ai fait hier soir. Ça va aller vite, je sais ce qu'il faut faire. Normalement, j'ai une bonne mémoire. Par contre, est-ce que j'avais fait l'épreuve avec les papillons? Savoir, il faut voir si j'ai récupéré le coffre. Ok, j'ai pas le coffre, je crois. Ouais, non, je l'ai pas. Ok. Vas-y, on dépose tout. Celui-là, je sais pas, je le garde. Et c'est parti! Papillon, récupérer le coffre, puis on va à l'épreuve des chevaliers relous. Plus ma caméra est trop haute à chaque fois. Ok. Je pense que je peux prendre les plantes déjà. Je les combine, on est ok. Ok, la clé est là. Ça, tout ça, on avait fait. Ça va être rapide. Une plante derrière, ouais. Je la prendrai au retour. Ok, avec ça, hein. Il n'y a rien dans les tiroirs. Allez. Ici, on y rentre. C'est endroit avec l'aquarium et les expériences sur les insectes. Mais c'est vrai qu'elle est pleine de rapports biologiques. Ok, on a l'hameçon. On peut faire le leurre avec l'insecte. Là, t'as l'abeille. C'est plutôt une guêpe. J'ai pas été exempt. On combine ça. Là, ça s'ouvre. Ok, nickel. Je voulais pas sortir. Je suis gouré. Ah, la caméra elle est chiante des fois. Bon, on y retourne. Hein. C'est gentil les abeilles de toute façon. Ok, on prend la plante. Ok, on enchaîne ici, on a tout fait du coup. Musique pleine de suspense. Ok, on dépose tout et on enchaîne.
Là, on retourne au chevalier. Je sais plus trop où ils étaient. C'est par là, normalement. C'est ici, non? Ouais, c'est là. Ouais, c'est l'épreuve du chevalier. Il me semble que l'ordre c'est ça. Nickel. Le fameux résident maléfique à remaîtriser, tout à fait. Magnifique emoji de Heimerdinger. Est-ce que je peux retourner là? Ah ouais, je peux y retourner sans le sérum. Attends, mais elle l'a laissé crever. Hein. J'ai peut-être mis trop de temps à ramener le sérum. Bah, coucou Herbert, du coup. Un coucou du bar. Bah, vous, t'habites dedans. Mort ou pas celui-là? C'est bon, il est mort. C'est mon secret depuis le début. Pas censé y avoir un zombie de l'autre côté. Le combat palpitant. C'est la boostify chez Dédé qui a mal tourné. Avec ton oncle bourré. Je vise comme un bourré. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Là, je pense qu'on est bon. Ah non, on est mauvais, mais il est mort, quoi. Asseoir, bah. Y a un truc là-dedans? Je crois qu'il y avait que ça à faire ici. Ok, la partie là je peux pas y aller, donc normalement j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici.
Lui on esquive, pas besoin de le battre. Donc deux choses. Je suis à peu près retourné à l'endroit où j'étais. Je suis mort ici en ouvrant la porte. Enfin en ouvrant. Voilà, là je l'ai déverrouillé, comme ça je vais déposer la clé, on sera tranquille. Et est-ce que j'y retourne? Je sais pas. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien à récupérer en vrai. Ok. Donc moi je dis la clé, on en a plus trop besoin. Je prends les munitions avec moi. Ça on combine. On combine et on va au piano. Et on sauvegarde. On sauvegarde. Le sérum à récupérer aussi d'ailleurs. Ah du coup il récupère pas le sérum. Ah, parce que je l'ai retrouvé mort. Bah quoi il me servait à rien du coup, je comprends pas. Si ça me sert pour après et que je l'ai pas, je suis dégoûté. Il y a une porte-armure ici aussi. Bon, bah, on va reprendre la clé finalement. Comme quoi, j'avais pas tout fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici? La grenade aveuglante. Le chandelier brille froidement dans la lumière du clair de lune. Il y a une surprise ici. Est-ce que je peux l'allumer? Non. Ça devient un classique, les chiens qui passent par les fenêtres. Oula, c'est quoi ça?
Le couvercle de cette pompe à eau est ouvert. Pomper l'eau? Non. Bon bah oui. Placer l'interrupteur sur quelle couleur? Rouge, vert. Attends, je comprends pas. Le rouge y va. Vers la fontaine. C'est quoi ce truc, je peux le tuer? Ok, ça me défonce. Ok, je pense que j'ai un truc à foutre dans l'eau pour buter la plante. Produit chimique? Mais c'était de l'engrais, non? Attends, c'est quoi ça? C'est juste un mort-vivant, ça me va. Et ici c'est où? Vous avez déverrouillé la porte. Ça va me ramener dans le couloir du rez-de-chaussée, non? Oh putain. Putain, faut que je débrouille les cadavres dans les couloirs parce que c'est trop dangereux. Putain, il y avait les pianos. Est-ce que je tente d'y aller directement? J'ai rien pour me soigner. Vas-y, j'essaye, mais bon, je vais mourir. T'es juste là. Putain, c'est pas la bonne pièce. Bon, faut que je me soigne et que je le tue, hein, j'ai pas le choix. Bon, je vais essayer l'engrais avant. T'as chou là. Bah ouais, mais c'était sûr. Hein. Ah ouais, mais non, je veux pas mourir comme ça. Je suis one shot. Je suis tellement one shot. Non, j'étais jamais venu ici. Journal du gardien. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché hors dur. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis lui arracher les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5 h du matin, Scott est venu me réveiller, il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection, il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol, je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier, j'ai la peau sale et ça me dérange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui, bien fait pour eux. Je suis allé à l'infirmerie, parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai dû traîner du pied en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un sale quart d'heure. J'ai entendu dire qu'un chercheur avait tenté de s'échapper du complexe, a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfiée est tombé. Bon sang, qu'est-ce qu'il m'arrive? Plus de fièvre, mais démangeaisons. Très faim aujourd'hui, manger nourriture des chiens.
Gratte-gratte, que devenu avec sale tête, alors je l'ai tué, délicieux. Gratte délicieux. D'accord. Pourquoi pas, hein? Des vêtements et divers objets sont éparpillés. Impossible de bouger la porte, quelque chose la coince. Étagère pleine d'alcool fort. Je pense que j'ai tout fait. Mais t'es pas ouverte avant cette porte, c'est ça qui est bizarre. Ah mais je l'avais pas faite, je venais de là. Putain, je suis bête. Me souviens plus ce qu'il y a dans cette porte. Ah oui, c'était la pièce où il y avait plein de petits trucs à récupérer. Il y a du kérosène en tout cas, ça c'est intéressant. Du coup, je vais tenter l'engrais dans la pompe. Je crois pas que j'ai autre chose. Oh, il y a le kérosène. Je peux essayer le kérosène aussi. Ah oui, carrément. Mec, il ouvre même pas le paquet et il le jette comme ça, quoi. Alors, sur le rouge, du coup. Là, ça va la buter. Ouais, c'est ça, ok. Je coupe, non? Ah, c'est un chemin. Oh, j'ai un masque. Ok, il y a des plantes. Oh nice, j'ai un masque. Le premier. Donc, de toute façon, j'ai plus besoin de retourner ici, je m'en fous. Ah si, j'aurais dû aller faire l'autre zombie, je suis con. Oulala, là là. On avait un là aussi. Bon, et puis là, il va y avoir l'autre qui court. Faut que je tire direct. Allez. Son compte est réglé.
Alors ici, on va essayer de jouer la partition. Ok, c'est ça. Chris. Oh. You okay? Yes, I'm okay. Can't grieve forever. This is the Moonlight Sonata. Can you play? Ça sonne faux. Oh, what was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Ça sert à quoi de faire ça? Mais si je peux faire la boîte, je suis sûr que c'est un lien. Ça fait rien. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ben, je me retrouve un peu bloqué. Parler. Bon bah écoute, je prends la bobine. On prend les rubans. Bon, bah, je vais prendre le fusil à pompe et je vais éclater la tronche du zombie à l'étage. Ah, quoique. J'ai encore un truc à faire. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est, il va falloir que je retrouve. T'es sûr qu'il y avait un gars là?
il est mort. Bon, j'ai le premier masque. On est reparti. Est-ce que c'est par là? Je crois pas. Ici, il faut un casque. Ici, je sais pas ce qu'il faut. Oui, c'est vrai que j'atterris là. Peut-être au bout. Verrouillé depuis l'autre côté. Ça, je sais plus où ça mène. Tout simplement. Ok, bon, c'est de l'autre côté du coup. Alors, ça va être le rez-de-chaussée, il va falloir que je me tape les deux chiens là. Pff. Ah, c'est ça en plus, je crois que ça aurait de chaussée. Dans mes souvenirs, on retrouvait Barry avant, mais je l'ai pas du tout vu là. J'ai loupé un truc. Tout esquivé. Ici, y a rien. Ici, y a rien. Oh non. Bon, de toute façon, j'ai plus à revenir ici normalement. Ok, et je pense que c'est dans le coin. Oh, c'est une blague, il y en a partout là. Ok, c'est ici que je voulais aller. Il va y avoir le chien. Ok, ça c'est fait. Oh, ça marche pas. Bah, c'est pas ça qu'il faut faire, je suis bloqué. Mais non, mais merde. Oh, t'es sérieux, il me faut la clé pour ici.
Combien de balles là? C'est abusé! Putain, et j'avais oublié cette porte, il va encore falloir que je revienne. J'ai envie de mourir. Ça plus avoir de balles, alors que j'avais trop de balles. C'est dégoûtant. Faut que je refasse tout le tour. Oh bah ouais, je loue, je m'en fous. Rien à foutre. Oh non, non, je refais pas tout le tour. Never. Ah, il me le dit quand j'ai plus besoin de la clé. Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits. L'image d'un héros portant un bracelet. Elle est sertie dans un vitrail jaune. Il y a un bouton appuyé dessus. Bon, pas pour le moment. L'image d'un sage portant un collier. Sage-collier. Lui, il avait quoi? Bracelet, héros bracelet, sage collier. Cinq couronnes. C'est le même que l'autre, ça. Protégé par les trois esprits. Bracelet, collier, couronne. Je crois que j'ai fait de la merde. Je sais quoi, je pars et je reviens. Pas compris. La lumière de la vérité aux trois esprits. Ah. Alors attends. La couronne est verte. Le collier est violet. Le bracelet est rouge. Est-ce qu'il faut pas que je fasse la même couleur? Donc lui, il a un collier, il faudra le faire violet. Si je rajoute du bleu, si j'ai bien compris le truc, ça va faire du bleu, ça, il va être violet là. Je suis trop fort. Et lui, il est jaune, si je mets du bleu, ça va faire du vert. Et du coup, ce sera la couronne verte. Mais je pense que là, c'est bon. Vert, violet, rouge. Bracelet rouge, collier violet, couronne verte. Facile. Oh, masque!
Deuxième mass surcut. Je peux sortir, je sais pas où ça m'amène. Hein? Ah, c'est là? Bon, je peux déjà le poser en fait. Ça en fera déjà un en moins à porter. Presque mortuaire, sans bouche. C'est celui-là, je crois. Les yeux du nez de la bouche. Non, c'est pas lui. C'est lui. Oula. Il m'en manque plus que deux. J'allais buter notre pote. Enfin, notre pote. Notre enfoiré. Celui qui m'a tué hier. Sauf que cette fois j'ai avec un fusil mon gars. Donc il est juste à côté. J'ai même pas été ici. Si. Si, si, c'est le chemin. Il y a bien pu taillader Forest de la sorte. Bon, hier je suis allé au fond, il s'est réveillé. Faire pareil. Allez, dépêche, dépêche! T'es mort mec? Eh oh. Forest. Ça va? J'étais sûr que ça servait à rien. J'ai juste perdu des balles. Bon, Forest a été pacifié. Ça ne servait à rien. Je sais pas quoi faire là. Est-ce qu'elle a fini avec sa partition l'autre?
J'ai tout fait là, non? Je comprends pas les lieux inexplorés. Ça veut dire que j'ai raté des trucs? Bizarre, c'est bizarre. Vivement la clé casque, comme ça je pourrais ouvrir toutes les portes. Pour l'instant, ça ne donne rien. Ok, ça m'a rappelé qu'il y avait plein de zombies derrière. Bien fait de pas y aller. Practice makes perfect. What's this? C'est le bar secret. Journal de Trevor. Un jour se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas en me disant « Désolé de vous faire subir tout cela, mais c'est pour raison de sécurité. » C'est à ce moment-là que j'ai compris, tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir, Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret, mais pourquoi? Cela n'a plus d'importance maintenant, cet endroit est trop dangereux. Ma famille, j'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir, Jessica, Lisa, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. Comment ai-je pu me montrer aussi bête? J'ai perdu mon briquet préféré, celui que Jessica m'avait offert pour mon anniversaire. Maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'est joué pour moi, ma tante avait été hospitalisée 3 jours avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. J'aimerais tant être avec elle. Attendez. À mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose comme « Votre famille est probablement déjà... » Je prie pour qu'elle soit saine et sauve. J'ai par miracle réussi à sortir de cette pièce, mais ça ne va pas être facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir échapper à tous leurs pièges, l'œil du tigre, l'emblème doré. Je dois me rappeler pour ne pas périr. L'œil du tigre, l'emblème doré. Moi, je sais à quoi va me servir l'emblème. Il reste plus qu'à aller le chercher. J'aurais dû le laisser là où il était, ça aurait été bien plus pratique pour le coup.
que je tente ce couloir? Bon, allez, vas-y. Oh, de foutre. Ah, salut Zenda. Oh, il y a un truc ici? J'avais même pas vu. Qu'est-ce que c'est? Un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune. L'œil du tigre. Ok, je pense que le saphir il va ici. Par contre, il doit m'en manquer un deuxième. Bon, comme ça, je vais le prendre directement. Mort lui. Ok. On évitera d'avoir à le refaire après. J'ai réussi à trouver 2 masques sur 4, mon cher Zenda. J'ai bien avancé. J'ai un peu peur, ça court vite là. C'est un zombie énervé là qui a ressuscité, je crois. Je pense qu'avec ça, je suis pas mal. Il y a un zombie énervé à l'étage, je crois. J'ai l'impression que ça court. Ça cavale sur des petits lambeaux de chair, là. Sur les petits moignons. J'ai oublié d'aller déposer le joyau, je suis con. Petite anecdote, la fille là, je crois que c'est Rebecca de Resident Evil 0. Voilà. Resident Evil 0 qui raconte l'histoire de la première équipe qui atteint le manoir, du coup. J'en fais quoi de cet emblème? Je le mets sur la cheminée? Bah allez. Oh oh. Bon alors là, il y a une énigme avec le tableau. L'épée la plus courte est en français dans la poitrine. La plus longue transperce la tête de l'autre. Lorsque les deux se transperceront, le chemin vers votre destinée s'ouvrira. On dirait que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Le petit dans le torse. Mais c'est pas le petit ça, c'est la grande.
D'accord, c'est le grand engrenage qui dirige la petite. Normalement, là, c'est bon. La clé du casque! Enfin, je crois. On va l'essayer tout de suite. Qui est trop content d'avoir une clé. Ah bah c'est pas la clé du casque. Putain, elle sert à quoi cette clé? Bouclier. On n'a pas de porte du bouclier. Je vois pas. T'existes pas la porte du bouclier? Y a peut-être cette salle là-bas. Ah, je dois pouvoir y accéder de par là. Attends. Je me suis dit la porte elle est trop longue pour essayer, mais il y a un raccourci que j'ai débloqué. Là, c'est parti. Eh ben c'est pas ça. Je sais pas quoi faire, hein. On sait que j'avais besoin d'une clé, moi. Je vais essayer toutes les portes fermées que je me souviens. Il y a celle du fond, mais je crois que c'était le casque. C'est casque, non? Casque. Putain, j'ai eu la clé la plus nulle. La clé couvre à rien. Là-dedans, il n'y a plus rien.
En dessous, il n'y a rien. Ça, c'est fermé. Ça, c'est l'épreuve des chevaliers à la con. Donc, c'est fait. Là, il y a la porte. M'a fait flipper. Très bien. Il se relèvera pas celui-là. Elle ouvre le cœur de Harbard, ça va être ça, hein. Toujours mort lui. Bah reste allongé. Ah putain, c'est cette porte-là. Elle ne sert qu'à cette porte-là. J'ai un peu peur là. J'ai du heal. J'ai pas beaucoup de balles. Je peux prendre le heal de la salle d'avant. Vas-y, je vais faire ça. Tu seras bien battu. La ganja. Oh non, il y a un super zombie. Ça pue la loose en ce temps-là. Ça pue d'autant plus la loose que je chope des balles de fusil, mais j'ai pas mon fusil. Oh, il y a un masque. Bon, il a pas l'air ouf, hein. C'est efficace ça, parce que j'ai pas l'impression. C'était nul à chier ce que je viens de faire. Ah ouais, il m'a mis un coup, je suis déjà mort. Quoi. Ah non, empoisonné. C'est vraiment combat ridicule. Ne te recharge pas ici, Brouty. Ah si, il part. Anaconda? Ouais, alors je veux bien que les anacondas ce soit long et grand, mais là, il a un problème, ton anaconda. Il te faut une machette. Genre, le mec s'est fait mordre par ce serpent et il a pas été bouffé. Ouais, il est peut-être pas fin, hein. Oh, j'ai le troisième masque. C'est trop bien.
Des tonneaux de vin. Je sais pas si je peux mourir du poison. Oh, puis là, il va y avoir le méga zombie à la con. Bon, je le tue pas, je vais pas revenir ici normalement. On va juste cavaler. Oh non! Poison. I need serum. Ah bah oui, sauf que le sérum, t'as pas voulu le prendre, guignol. Bon, moi, je sais où je dois aller. Ok, il m'a pas attaqué, l'autre zombie. Il va se relever, notre pote. Non, même pas. Ok. Ma santé, ça va. Bon bah let's go sérum. Je commence à connaître le meneur par cœur maintenant. Alors il vaut mieux que je passe par en bas parce que je crois qu'il y a un super zombie de l'autre côté. Bien, j'ai un truc à faire. Est-ce que je suis encore en bonne santé? Oui. Malgré l'empoisonnement. Sachant qu'un anaconda, c'est constrictor, hein, je vais pas être vexant. Oh non, c'est devenu un super zombie! Ça a marché. Quoi, c'est juste ça, c'est une blague? Ouais bon il me faut l'œil jaune quoi. Oui c'est bien c'est bien. Hop là. Ah, c'est bien un mec transformé qui est en haut, il fait le même bruit que l'autre. Bon déjà on va sauvegarder, on va pas faire la même connerie que la dernière fois. Ok, je suis soigné. Je sais toujours pas ce qu'il faut faire, mais je suis soigné. Je pense avoir beaucoup de munitions de fusil. Hein. Je vais prendre le fusil pour exterminer les autres goliots là. Bon là, il me reste quoi comme item? Il me reste le symbole du vent, je sais pas à quoi il sert. Ils ont cru que j'étais dans Windwalker là. Et j'ai la boîte. On va voir ce qui me manque.
C'est une icône représentant le vent. Ok. Ça, c'est un hexagone, j'en ai besoin pour. Il y a une espèce de porte qui s'ouvre avec deux hexagones, je pense que c'est ça. La boîte à bijoux, je vois pas. Hein. Elle va pas s'ouvrir. Hein. Le soleil et la lune sur une plaque. Je me verrai avec la lumière du soleil. Il n'y a aucun endroit où j'ai de la lumière du soleil. Hein. Réfléchissons. Dans le truc où il y a les plantes? Ça paraît bizarre. Je peux essayer. Mais j'y crois pas trop. Ça c'est fait. Ah non, c'est pas fait. C'est une blague. Je claque toutes mes munitions là-dessus là. J'espère qu'il se relève pas une troisième fois parce que j'ai pas fini. Bon bah c'est pas ça. Bon, ici je récupère le masque mortuaire. Il est bleu et jaune. Le tigre, il sert à quoi? Le tigre, c'est un truc où il y a des items cachés à l'intérieur, je pense. Là, j'ai mis la gemme bleue, ça me l'a fait tourner d'un côté. Et je pense qu'il me faut une gemme jaune pour le deuxième œil, que je dois pas avoir du coup. Enfin, que j'ai pas, c'est sûr. Bonjour. Ok. Je sais pas où il faut que j'aille. Je pense qu'ici j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est quoi la pièce? C'est la pièce avec le placard, y'a rien. Je comprends pas pourquoi les pièces restent en rouge.
Au rez-de-chaussée, j'ai tout fait. Pour moi, il n'y a rien du tout. J'ai vraiment tout fait de fond en comble. Retrouve l'anaconda. Je sais pas où est l'anaconda, moi. À l'étage. Rouge car des objets non pris. Ouais, c'est ça que je pense. Genre sur le balcon en bas à droite, là, où le mec il m'avait tué hier, là, j'ai pas pris les plantes, je pense que c'est ça. Ouais, ça, y a moyen que ce soit ça. Ah non, parce que là, il y a le couloir en bas à droite, là, t'as le couloir avec les deux chiens, il n'y a rien dans ce couloir. N'oublie pas de sauvegarder. J'ai pas sauvegardé? Si, j'ai sauvegardé, je viens de sauvegarder. Bon. Je vois pas loin. Il y a eu un bruit de porte ouverte là, non? Non, c'est... Ça me ramène à l'étage. En face, ça, il me faut la clé du casque. Ici, y a rien. Ça, je sais plus. Clé du casque encore. Clé du casque et clé du casque. Ensuite, on a quoi? Verrouille depuis l'autre côté. Ici, il y a mon pote. Après, l'autre porte, ça me ramène. Ça me ramène là où j'étais. En fait, de ce côté, j'ai plus rien à faire. Je sais pas. Ici, c'est clé du casque. T'as le couloir avec les deux chiens. Mais de ce côté, j'ai tout fait. Tout fait. Il me reste que la salle avec l'emblème de la famille. Et à l'étage, j'ai tout fait aussi.
T'as le serpent, la salle du chevalier. Je l'ai buté le mec, ouais. Il y avait rien du tout. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je vais voir si c'est pas relevé. Oh. Ouais, il est mort de chez mort, il a même disparu. Ah, tu vois, j'ai ramassé le poignard et la pièce est devenue verte. Donc c'est bien ça, ce qui me reste des trucs à ramasser. Bon bah écoute, je vais m'amuser à aller faire toutes les pièces rouges. Quitte à ce que ce soit débile. Dans le couloir là. Truc à ramasser dans le couloir. Y a rien dans le couloir. Bon, si, il y a lui dans le couloir. Dans le couloir d'après, il y aurait un truc à ramasser. Mais je crois savoir ce que c'est en plus. Ouais, c'est ça. Je l'avais pris la première fois, c'est pour ça que j'en suis souvenu. La grenade aveuglante. Du coup, là, tout est vert. Voilà, on peut partir. Richard est déjà mort. Si seulement j'avais trouvé ce sérum à temps. Putain, j'avais vraiment moyen de le sauver, du coup. Oh putain. Ça, l'énigme du chevalier a pris trop de temps. Désolé, Richard. Les pièces à papillons, il me reste des trucs. Du bien qu'il n'y a pas de zombies comme ça. On se croirait chez nous. Et du casque au fond du couloir, ici aussi. Parce que pour l'instant, on a 4 portes clés casque. Eh, mais si, il y a le vieux frelon à la con.
Il n'y a rien à ramasser ici. C'est le testament, j'ai eu tout à l'heure. As-tu un aérosol? Non, j'ai pas d'anti-moustique. Je crois que j'essaie de le flinguer. Je suis plus précis contre une abeille en plein vol que contre un zombie qui se déplace à 2 à l'heure. Il touche pas un zombie. Putain, ça m'indiquait juste ça. Du coup, je passe. Putain. La salle est verte. Il n'y a rien dans les tiroirs, ces empreintes de pas semblent traverser le lit. Merde, je vais pas sortir. Oh putain, c'est ça que j'avais pas là? Ok, j'ai tout ramassé. Du coup, de ce côté, j'ai tout. Ah, sauf au rez-de-chaussée. Alors, l'endroit avec la Winchester, c'est normal. En haut à droite, c'est normal, c'est des plantes. Par contre, le couloir avec les chiens. Je vois pas. À gauche, là où il y avait les plantes, c'est normal. Là où il y a la statue de tigre, bah, c'est normal. Par contre, le point rouge tout à gauche. Je vais peut-être y retourner. Et je vais essayer le couloir avec les chiens parce que bah, ça m'intrigue du coup. Bon, les chiens, ça va être à la carabine, je sens. La poignée de porte est cassée, vous ne pouvez pas passer. Ok. On va faire le tour, hein. J'aimerais bien trouver le quatrième masque ce soir. Alors la salle au milieu, c'est la clé casque que j'ai pas. Donc ouais, j'ai tout fait ici. J'ai fait tout ce qui était faisable ici. Celui d'un rat, le mascara. Oui, sûrement. J'ai dit qu'il fallait que j'aille où là-bas. Je suis pas retourné dans les cuisines, mais... De merde de cuisine. Est-ce qu'à l'extérieur ma boîte à merde s'ouvrirait?
plante des trucs. Ah bah oui, je l'ai plus sur moi, quel con. La tombe avec les éléments. Ah, c'est là où il me faut les masques en fait, mais il me manque le quatrième masque. Justement, c'est ça mon objectif là. Mais le quatrième masque de masque à la con, là, il doit être dans la boîte ou avec l'œil de tigre, je sais pas, mais je suis un peu bloqué là. Ici. C'est bizarre parce que les emblèmes en losange, ils ressemblent énormément à l'emblème du vent que j'ai. Et ça ressemble à l'autre endroit là où j'ai pas réussi à le mettre. Ici j'ai tout fait normalement. Ouais. J'ai envie d'aller reprendre mon emblème du vent et réessayer. Bon, je sais pas pourquoi ça marcherait la deuxième fois et ça a pas marché la première fois. Mais... Les cuisines, y a rien dans les cuisines. Vas-y, tu sais quoi, je vais tenter les cuisines. Ils deviennent de plus en plus résistants, c'est un problème. L'alimentation? J'ai vu aucun truc électrique en plus. Bon, au moins on est sûr qu'il n'y a rien à faire ici. Bon, ça c'est sûr, il n'y a rien. Le générateur à l'extérieur. Bon, je vais retourner au couloir avec les chiens. Je suis complètement paumé. Ouais, je voulais tuer, je pense. C'est bizarre que la salle soit en rouge en fait, il y a vraiment rien dans la pièce. C'est genre juste un couloir. Allez, c'est parti. Les zombies? Je parle des chiens zombies, ceux que je vais éclater là. Je les one-shot même pas! Elle met encore plus de temps. Oh bah je vais mourir là, non? Non? Bon. Oh attends, je peux pousser les meubles?
Oh non, j'ai cru trouver un truc de fou. Oh la décevance. Ouais, c'est tout. C'est tout? Non, c'est pas que ça. La pièce est encore rouge. Les chiens n'avaient rien. Ça, je peux pas le pousser. Du coup, celui-là, je vais pouvoir le pousser. Je suis à un niveau de déception là. Putain. Le mobile poignard. C'est cette expérience, les mille poignards. Putain. J'espère qu'il n'y a pas encore un chien ici, je m'en souviens plus. La salle est passée verte quand j'ai récupéré le poignard. Ouais. Tu peux pas me toucher, je ramasse une plante. Putain, s'il me touche, je suis mort. Bah, je suis mort. Bon. Après avoir fait tant de choses inutiles. À savoir, tuer une abeille, ramasser un poignard, et cueillir des plantes pour en mourir. Où en sommes-nous? Du coup, en bas à droite, tout sert à rien. En haut à droite, il y a beaucoup de rouge, mais on sait que tout sert à rien. Du coup, il me reste plus que là où je suis. Et notamment la pièce avec l'armoire. Parce que les deux autres, je sais qu'il reste des trucs dedans et c'est volontaire. Donc on va aller dans cette pièce avec un placard. Est-ce que j'avais oublié de faire un truc? Non, j'avais pris ça. J'avais pris le truc pour sauvegarder. Oh, mais du coup... Du coup, j'ai encore toutes mes balles de fusil et ça, c'est très bien. En fait, c'est une très bonne mort, hein. On va pas se mentir. C'est une très très bonne mort. En plus, je suis juste à côté de la pièce qu'il me restait à faire. Comme quoi, mourir, parfois, c'est cool. Alors, c'est tout droit à droite. Ah oui, mais il y a l'autre. Faut que je tire direct quand j'arrive. Le seul truc bien, c'était le kill d'abeille, clairement. Non! T'es mort? Eh oh! Fredo, t'es mort? Fais pas le con, hein. Non, mais un coup, il faut que je lui mette 3 balles, et un coup, il faut que j'en mette qu'une. Bon, c'est pas grave. C'était ici, la dernière pièce. Oh non. Ok, donc j'ai fait toutes les pièces. J'ai fait toutes les pièces, c'est donc une énigme que j'ai pas résolue. Alors c'est quoi ton énigme, cowboy? Je vais retenter de faire le truc que je voulais faire. Peut-être que j'étais mal positionné.
C'est le seul truc que je vois. Il avait de la sur moi, je suis un con. On va essayer la porte fermée de l'autre côté. De toute façon, c'est la seule porte qui s'ouvre pas avec une clé que j'ai pas ouvert. Est marrant, zombie. Là-bas, on a tout fait. Là-bas, on a tout fait. Arrête de taper à la porte, Fredo. La porte. Faut que je passe par où, par contre? Ok. Ah, la caméra. Voilà, je joue allongé, hein. Ça se sent que ça fatigue. J'aimerais bien trouver le dernier masque. Flipper ce con. J'ai le truc, il se prend une balle, une cartouche de fusil à pompe, il bronche pas quoi. Putain de chien, le con. Vas-y, mets ça dedans là. Putain, mais il y a bien un truc en losange là. Ça veut dire qu'il faut que j'ouvre le cercueil avant d'accéder ici. Donc il faut que je trouve le quatrième masque. Donc il faut que je trouve l'énigme de cette merde là.
Pour du côté, non, je crois qu'il y a rien. Putain, t'es un génie, Zenda. Il y a trois boutons. Je m'éveille avec la lumière du soleil. J'ai fait quoi? J'ai fait gauche, droite, milieu. Attends, il représente quoi les symboles là? La lune, c'est ces trucs là. Ah, il y a un bouton là? Ah, il y a un bouton derrière aussi. J'ai les quatre masques. Ah bah il fallait comprendre qu'il y avait plusieurs boutons. En plus j'étais en train de me dire, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que j'appuie une fois, il ne met pas le message comme quoi c'est fermé, il faut que j'appuie deux fois dessus. Du coup je suis en train de spammer comme un gogol. Bien vu, bien vu. Oups, je suis tombé le micro, ça a dû faire un gros bruit. Bon, bah, il va falloir gérer le zombie à la con qui est devant. Allez, c'est parti, on va rush tout ça. Bon, j'imagine que dans le cercueil, il doit y avoir une petite surprise. Putain, tu crèves un jour toi? Incroyable ça. Je l'ai fait au son, hein. Je regarde. Reherba. On va déjà poser le premier masque. Ça sent le boss tout ça. Ça sent le boss. Donc il me manque encore trois autres là. Alors c'est lequel le masque? Sans yeux, sans nez, sans bouche. Je crois que c'est celui-là. Yeux, nez, bouche. C'est sympa tout ça. Et Rekatsune après celui-là. Alors, je pense que je vais plutôt les faire dans l'ordre. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une date pour le remaster de Metal Gear Solid 3, mais j'y jouerai, c'est sûr et certain, parce qu'il est trop bien ce jeu. What a frame. The darkness and silent through the night. I'm searching for the mountain to you. Attends, faut que je passe par où? Faut pas que je prenne le mauvais chemin. Par là, c'est bon. What a feeling my heart, but you're so free. I get my life. Not for honor, but for you, Snake Eater.
The best one. Are you one of the cobras? I am the end. Do you hear me, Snake? On a dit que ça puait le boss, donc ça on va le garder sur nous. On va prendre un truc de soin, on va reposer ça, on va sauvegarder, bien sûr. On va sauvegarder tout de suite. Comment tu veux, Bobby? Et puis on va finir sur l'événement, quel qu'il soit, du cercueil, parce qu'il est déjà 22h. Ah, on a bien avancé ce soir, c'est cool. Est-ce que je prends les cartouches? Allez. Allez, là on est... On est armé jusqu'aux dents. Là. Oh, il veut me faire un kill. Hein. Le con. Let's go to the coffin. Putain, dommage que j'ai pas le droit de foutre de musique sur le stream. Arrêtez de moyen de faire des trucs à la con. Alors, masque mortuaire sans nez et sans yeux du coup. Et cette pierre il est trop à la place des yeux. Oui, il y a eu du béni là, ça c'est clair. Non mais faut pas de ma gueule. Pourquoi j'arrive pas à le... Oh, ça pue. Ah, oh, c'est un mec rouge. C'était sûr et certain. Mais comment ça, je lui tire pas dessus? Ouais, bien, Bobby. C'était pour rire, hein. Et puis il me rend mes balles. Quel gentleman.
Ça se voit que c'est pas une abeille. Oh, c'est plus dur à viser. Le zombie qui court est plus difficile à toucher que l'abeille en plein vol. Il y a un bouton. Appuyez dessus. Il y a quelque chose à l'intérieur. Objet en métal et pierre. Oh, tu peux appeler ça un emblème aussi. La relique des morts. Œil pour œil, dent pour dent. Ça va dans la porte. Bah ça va, c'est là où j'essaie de foutre l'emblème du vent, ouais, je pense, c'est ça. Bah ce sera pour demain. Ou alors j'y vais tout de suite, c'est juste à côté. Oh, j'ai envie de grid. On va grid. À grid. C'est juste à côté, je vais y aller rapidos. Je vais buter le chien en plus. Normalement, je suis tranquille. Qu'est-ce que je fais? Oh, il me faut la dernière clé là pour que je puisse visiter le reste du manoir. Ah bah oui, il me disait le profanateur du cercueil maudit. Ouais, bah c'est ça. Yes, sir. Le générateur. Du coup, ça me permet d'activer l'ascenseur. Du coup, ça me permet de monter au deuxième étage avec. De débloquer plein de nouvelles pièces. Ou alors, je dis n'importe quoi et c'est pas du tout ça. Ça peut l'air d'être ça. On peut prendre le spray, là? Ah, c'est pas un spray, c'est une grenade. C'est mis un spray aussi. Ah, il y avait un escalier. Attends, je comprends rien à la pièce. Bonsoir, Christelle. T'essaies de foutre la clim dans la cuisine, mais c'est ça. C'est la haute, j'ai voulu allumer la haute. J'ai pas regardé sur le plan où est-ce que j'étais, mais je suis un peu paumé. Non, c'est pas le plan, ça. Oh, c'est une nouvelle map, la cour. Oh, j'aime pas les extérieurs, il y a toujours des trucs à la con. C'est une cour, ça. Ça leur ressemble à un panneau indicateur. Chaque direction est accompagnée d'une destination. Alors, le nord, c'est la vallée de la destruction. C'est quoi, ça? Déjà, le lieu était prédestiné à ce qu'il y ait des problèmes, tu vois. Le sud, Cave of Hatred, Hatred. Est, Summit of Madness. Et ouest, c'est Pass of Revenge. La veille de la destruction, la grotte de la haine. Le pic de la folie, le chemin de la vengeance. Pic de folie. Chemin de la vengeance, Bretagne. Pic de la folie, Strasbourg. La veille de la destruction, c'est Lille. Ok. C'est galère à retenir, hein, par contre. Veille de destruction, grotte de haine. Oh, c'est le bordel. Oh, attends. Oh, que c'est que cette énigme, le con? Bon, je m'attendais à avoir un sauvegarde, quand même. Statue aux yeux rouges, inscription dit « Le cri de guerre de la vengeance ». C'était l'ouest, la vengeance.
Destructeur, c'est le nord. Bleu nord. Bleu nord. Rouge ouest. Comme aller vérifier que je suis pas bourré. Et rouge ouest, hein. Il va trop vite! Voilà. J'ai un fusil à pompe, je vous préviens. C'est grand ici? Non. C'est où les corbeaux? Deux lignes verticales, une croix et trois lignes horizontales. Serait-ce un symbole? Oh non, du tout! Lorsque le vent balayera la terre, les étoiles brilleront dans le firmament. Le folambole du vent me fait attaquer par des corbeaux. Est-ce que je peux bouger s'il vous plaît? Merci. Je suis en train de mourir à cause des corbeaux. Et j'ai pas sauvegardé alors qu'ils allaient se faire foutre. Ah! Ah, je peux passer? Bon bah. Sympa ces petits bruits là. Bon, le moindre truc, je me casse. Hein. Je vais sauvegarder. Le cabanon. Oh, je vais pouvoir sauvegarder là-dedans. Ce bois de cheminée semble fraîchement coupé. Des bandages ont été suspendus. Se peut-il que ces taches brunes soient du sang? Un lieu rudimentaire, on dirait que personne n'y a dormi depuis longtemps. Ah si, c'est un sauvegarde. Oh, il y a un coffre. Ah non! Manivelle. Manivelle. Ça peut me servir à quoi ça? Pour une voiture? Est-ce que je peux pas l'examiner? Rien d'inhabituel, ouais, je m'en doute. Extrémité est carré. Ouais. Ok, hein.
On va déposer le fusil. On va prendre le symbole du vent. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. C'est mieux avec les rubans. Hop. Ça se passe quoi là? Bon bah écoute, je regarde. Une photo de famille. Quelqu'un a laissé un journal. Papa attaché en premier, maman attaché second. Rouge et collant dedans, blanc et dur. Pas vrai, maman où? C'est pas papa, retrouver maman. Quand attaché maman, elle bouge plus, elle crie. Pourquoi? Je veux juste être avec elle. Maman où? Tu me manques. Bah je m'en bats les couilles, je vais sauvegarder. Bah voilà. Et ben on est good pour ce soir. La suite demain tranquillement. Wally Walou. Avec cette magnifique musique. On va s'arrêter là-dessus. Qui est entré dans la cabane? Le suspense est à son comble. Bon allez, bonne soirée tout le monde. Gros bisous.